Salut tout le monde, c'est Ryu, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite opening sur Dilama Atroll. Alors comme vous avez pu voir avec la nouvelle mise à jour qui est sortie, j'ai eu 58 Lama Atroll, donc pour ceux qui étaient sur le live, vous avez vu les 8 premiers. Pour ceux qui veulent voir du coup les 8 premiers openings, d'ailleurs je chope un mythique dedans, donc je vous laisse aller voir la rediffusion. Donc c'est sur le début, hein. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est sur le début du live. Et donc du coup là on va en ouvrir 10 ensemble, et on va ouvrir les lamas à surproduction aussi 10 pour que ça fasse un bel opening quand même. Et on va skip les verts, et on va skip aussi les bleus et violets. Et on va laisser que le légendaire ou mythique si ça proc. Parce qu'en final, il n'y a que ça qui intéresse. Alors, à l'heure actuelle, j'ai eu la Ramirez mythique. Ce qui me manque en termes de mythique, c'est survivant, un leader survivant. Il me manque juste un leader survivant. Et il me manque les ninja et aventurier mythique en héros. Voilà. Donc après, le reste, c'est du plus. Voilà, tout ce que je vais avoir, ça va être du plus entre des... Bah, là, comme vous avez pu le voir, ils vont me demander un choix entre aventurier ou soldat. Il me manque un mythique, donc on va choisir du aventurier mythique pour essayer de le faire proc en mythique, bien sûr. Voilà. Après, en termes des choix, il y a Prolernin et Éclaireuse Eclipse. Du coup, on va aller voir le nom sur Internet. Pour pas faire de bêtises, parce qu'honnêtement, je connais pas du tout son nom. Alors, c'est Jess Éclaireuse Eclipse. Ah, ah bah voilà. Mais non, c'est une blague. Ah bah voilà. Première opening, on chope la mythique. Ah bah c'est parfait. Ah bah voilà, même si elle sert pas trop à grand chose, j'ai eu Jess mythique, j'en parlais juste au début de l'opening. C'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Du coup, il me reste plus qu'à avoir le ninja mythique, et puis après j'aurai tous les héros mythiques aussi. Vous voyez, j'ai bien fait d'aller voir sur internet. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur internet avant de faire un choix, parce que sur internet, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Et bah voilà, comme vous avez vu, voilà, j'ai eu la Jess mythique. Vraiment, chance de ouf. J'irai voir ma femme tout à l'heure pour lui poser quelques questions, parce que bon, je commence à avoir un peu trop de chance en ce moment. Alors, on va prendre un pistolet. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le déconstructeur, etc. Mais j'ai pas de super pistolet vraiment cheaté, quoi. J'ai pas vraiment de bon gros pistolet. Le juge, j'aimerais bien avoir un gros juge en nature, bien bien violent, avec des gros dégâts de tire-tête, etc. Du coup, on va regarder un petit peu à la fin. On regardera les affixes de tout. Pour faire ça. Donc du coup voilà, je reviens encore à ça. Vous avez vu, je suis allé sur internet, j'ai regardé, et puis finalement c'était bel et bien la mythique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check un petit coup si vous voulez être sûr de pas louper quelque chose d'intéressant. Oh là là. Et aussi, maintenant qu'on est là, je tiens à vous remercier pour les 5 abonnés. Dans cette vidéo on est à 5 4 97, ou une connerie comme ça, donc je fais un petit remerciement en avant. Ça fait toujours ça, moi ça me fait plaisir, très honnêtement ça me fait énormément plaisir quand je vois comment on augmente hyper vite, ma communauté qui est hyper active. J'ai même quelqu'un qui maintenant s'occupe d'un Discord et qui a mis mon nom dessus. Du coup ça fait que ma communauté, mes abonnés, si vous voulez, vous pouvez faire partie d'un Discord. Alors pour ceux qui voudraient faire partie de ce Discord là, c'est pas bien compliqué. Je ferai une vidéo dédiée pour mon Discord, du coup, que c'est Wellbake. Vous savez, pour ceux qui le connaissent, c'est le premier qui m'a fait le don. Mon premier don, ça a été lui. Et donc du coup, il s'est proposé d'être gérant du Discord. Du coup, voilà, j'ai un Discord et si vous voulez, vous pouvez en faire partie, il n'y a aucun problème. Donc il suffira juste, je mettrai le lien dans la description dans la prochaine vidéo, avec le lien du Discord dedans. Ou alors rendez-vous en live, et là à ce moment là ils donneront le lien pour le Discord, pardon. C'est un peu compliqué de réfléchir en même temps, je suis désolé. Alors on passe les épiques. Ok, on va atterrir légendaire. Petit choix. On va prendre des masses.
bien sûr, pour essayer d'avoir le marteau. Mais avoir le marteau le plus cheaté possible. Ok, bon, là, il n'y est pas. Donc, on prend n'importe quoi, on s'en fout. Et le zapoton. Ok, pas très intéressant pour le moment. Il nous en reste 5, on a déjà fait la moitié. Ça fait deux fois que j'en ouvre des lamas. Et chaque lama que je fais, j'ai un mythique dans le premier. Du coup, j'aimerais bien avoir le dernier survivant mythique qui me manque. Ça, ce serait plutôt cool, ça. Ok. Ken Mijaji, ok. Donc, pour le moment, rien de nouveau. J'ai déjà tout en collection, il me semble. On ouvre le sixième, du coup. Ok. Ok. Défragmenteur. On espère qu'il aura de bonnes stats. Parce qu'honnêtement, il me manque ça justement. Il me manque de bonnes stats là-dessus. Bien sûr, leader survivant légendaire pour essayer de faire proc en mythique. Ok, ça proc pas. C'est pas très grave. Donc il nous restera 40 lamas après cet opening là. À ouvrir. Du coup, voilà. On verra bien ce qu'on aura à la fin. Donc là en tout cas, donc petit récapitulatif pour le moment de choses très intéressantes que j'ai eu dans ces lamas là. J'ai eu un leader mythique que je n'avais pas. Et j'ai eu la dièse mythique aventurière donc, que je n'avais pas non plus. Donc pour revenir sur la dièse, à ce qui paraît elle est pas OP, elle est pas ouf. Mais à voir pour... Peut-être qu'elle sera up dans quelques temps, parce que sur cette mise à jour là, dans les deux dernières mises à jour, c'était des mises à jour un peu consacrées au constructeur, parce que le constructeur était plus trop joué. Et là, à voir s'ils font pas une grosse mise à jour aventurier aussi, tout en remaniant la dièse, et en remaniant la dièse, et en nous mettant des super affixes dessus, enfin des super stats, parce qu'elle est pas, ouf en ce moment. Du coup, on choisit le petit sniper parce qu'on essayait d'avoir un défragmenteur et des pieux au sol rétractable. Voilà, donc avec tous les lamas qu'on aura, je pense quand même, j'espère du moins, qu'on aura tous les pièges, je les ai déjà il me semble, mais vraiment avec des grosses stats, vraiment avec des stats de folie parce que bon, 58 lamas si j'ai pas tout, ça fait quand même le double des lamas que j'avais déjà, donc c'est quand même, ça serait quand même un peu dur. C'est un peu dur à accepter quand même. Ok. Allez. Un choix. J'aime bien les choix parce que les choix ça peut proc du mythique du coup. On va refaire sniper. Le choix des fragmenteurs j'espère. Dommage. Deuxième légendaire c'est le même. Bon. Bah pas trop de chance sur celui-là. Du coup... On va regarder un petit peu ces affixes. Donc là j'ai... Ouais bon après les snipers on va pas trop regarder. Pour les pieux. Ouais non trop de durabilité pas assez puissant. Pour l'ours. Dégâts aux cibles infectées. Dégâts au tir dans la tête. Dégâts des coups critiques. Vitesse de chargement. Et l'arme dégâts énergie. Cause des infections. Moyen. Dégâts... Chance, vitesse de rechargement, dégâts du piège, dégâts des coups critiques. Je crois que j'ai exactement cela. Je crois. Je suis pas sûr. Mais je crois que j'ai exactement cela déjà. En plafond toxique. Allez vérifier, mais il me semble que je les ai déjà. Du coup, tire-tête, dégâts, vitesse. Non, le défragmentaire n'est pas ouf. Sur la Dagobert, dégâts coups critiques. Chance critique, c'est pas mal. Et dégâts aussi par lentille, immobilisé, moyen. Ensuite j'ai eu l'assaillant, je crois que je l'avais déjà. Le pompe, taille du chargeur, cadence de tir, donc ça m'intéresse pas. Le juge. Non, il a pas des bonnes stats. Le foudroyant non plus. Il a pas des stats de ouf. Du coup la dièse mythique, voilà. Donc qu'est-ce qu'elle a là? Le butin, le lama à butin, l'électro-tour. Les bons éclipses, vitesse de charge de vitesse, ok. Ok, réduction. Bon éclipse, un bouclier, c'est pas mal. Téléporte plus loin, l'œil d'aigle. Ok, une charge de plus et état de grâce. Ouais, moyen, ouais, non, les moyens. Ensuite,
Vitesse du rat, dégâts des coups critiques, chance des coups critiques, chance des coups critiques. Pas mal aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en retirer de cet opening là? On peut en retirer une mythique. Et il ne reste pas grand chose de ouf ouf. Et maintenant, on va ouvrir 10 lamas, donc les nouveaux de l'événement. Donc là, on va skip, hein, on va skip totalement et on regardera juste à la fin parce que sinon, ça va faire un opening vraiment trop long. Et pour ceux qui, ben, qui veulent voir que les lamas trollent, je peux les comprendre. Regardez que ce qui vous intéresse, hein, vous n'êtes pas obligé de rester. Mais bon, il y a quand même de jolies choses à avoir sur ce nouveau. Sur ce nouvel event. J'aimerais bien avoir le pistolet bleu, voir un peu parce que ça m'étonne qu'ils aient mis un pistolet bleu tout seul comme ça. Genre, à mon avis, il doit être un petit peu dur à avoir. Vu qu'il est bleu, à mon avis, il doit être un peu chiant à voir. Donc, il doit avoir quelque chose d'un petit peu spécial, je pense. Ok, donc le pistolet, je l'avais déjà. On enchaîne. Ok, épique. Ok, le Pigargue une deuxième fois en épique. Donc là on a eu Pigargue x2 et on a eu le pistolet silencieux en légendaire. Ok, des choix. Par contre j'aime, enfin je sais pas vous, mais certains choix, par exemple quand c'est du choix épique, moi je trouve ça, ou bleu, je trouve ça assez chiant. Ok, donc c'était soit le, c'était le nouveau. Ok, donc on a eu un aventurier. On a eu l'aventurier, pardon. Constructeur, on s'en fout un peu. Ce sont des anciens trucs, ok. Ok, donc on a eu pour une troisième fois le Pigargue. C'est quand même un peu moyen là, ça commence un peu à faire alors que j'ai énormément de choses à avoir quand même. Du coup. Constructeur rare, on s'en fout, de nouvelles fois. Parfait. Encore un bleu. On passe le bleu. Ah, du légendaire et un choix légendaire. Pas mal. Ok, je pense pas l'avoir eu, le spectre avec silencieux. Du coup, on verra les affixes à la fin. Ok, il en reste du coup plus que 4 avec celui-là. Sans celui-là, pardon. On passe les choix bleus et épique. Oh là là. C'est un petit peu long quand même, mais bon. Honnêtement, j'ai eu la petite dièse mythique. C'est quand même pas mal, ça me fait un aventurier. Ça me fait un héros mythique de plus, du coup il me manque plus que Ken. Maintenant. Et du coup voilà. Alors, on va essayer, moi j'aimerais bien avoir le pompe, parce que le pompe, un collègue l'a eu en énergie, il fait mal, mais j'aimerais bien l'avoir, le pigard pour une quatrième fois, vous voyez, j'ai pas trop de chance là sur cet event là. Enfin sur les events en général, je trouve qu'il nous file pas tout en fait. Je trouve que c'est hyper dur de tout avoir sur les events en général, d'avoir, enfin tout en collection. Ah bah voilà, en parlant du pompe, il est là, donc on va essayer d'avoir de bonnes affixes, hein. Ça dépend pas de nous, mais on va voir ça juste après. Et le spectre silencieux, je... C'est pas trop dans quel cas une arme silencieuse peut être... dans quel cas ça peut être efficace. Peut-être que les carcasses t'entendent moins quand tu tires sur un carcasse à côté d'eux. Enfin, je ne sais pas. Donc je peux que porter un avis. Oh. Cadence 21. Tir dans la tête 27. Chance critique 28. Dégâts 20. Taille du chargeur 50. J'ai quand même 4 affixes légendaires. Malgré que ce soit pas les 4 meilleurs, je le reconnais, j'aurais préféré avoir à la place de cadence de tir des dégâts encore une fois et à la place de la... Par contre, la taille du chargeur, c'est pas mal parce que c'est un pompe qui bouffe beaucoup de balles, mais si vous avez un héros comme fou des balles ou un héros qui recharge vite une fois que vous avez tiré toutes les munitions, ça peut être pas mal parce que du coup, il a une très grosse cadence de tir. Voilà, il a une très grande cadence de tir, donc on va regarder le légendaire, donc dégâts 10, 20... Taille du chargeur une nouvelle fois, vitesse de rechargement, non, j'aime pas trop ces affixes là, et derrière j'ai pas eu quelque chose, ah si j'ai eu lui, dans la tête dégâts,
Dégâts haut, vitesse, durabilité. Non. Bon, ben j'ai pas eu de super affixe. C'est pas très grave. Voilà, bon, là ça fait 10 et 10. Voilà, donc on se laisse pour ce petit opening. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel opening en espérant avoir ben, forcément du mythique dans le prochain. J'ai encore 40 lamas, donc 40 chances d'avoir un mythique. Du coup, voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.